Depuis 2 semaines, tous les soirs, il y a une Coréenne qui a emménagé ici, qui se fait des plats de ouf. Elle cuisine des trucs de malade ici, à chaque fois, elle enfume toute la maison, là. C'est un truc de malade. En plus, tu sais, la bouffe asiatique, ça sent fort, donc ça sent super. Hey man, how are you? Good. Oh, okay. Are you gonna make a cake? Huh? Are you gonna make a cake? No. No? Yeah. Bon, du coup, juste aujourd'hui, ça va être un peu chaud pour aller dehors parce qu'il s'est mis à pleuvoir là. Il y a même pas 10 minutes, tu vois. Et ouais, ça commence à flotter et tout, donc bon, je vais pas prendre le risque de tremper la caméra. Donc, on va se poser là. C'est ce qu'on fait d'habitude avec Léa des fois, tu vois, le midi, vu qu'on n'a pas de jardin vraiment. On sort de la maison comme ça, on marche là et on se pose sur la rue. Enfin, bon, pas là à côté des poubelles, tu vois, mais on se pose là et on mange ici, quoi. Enfin, en plein milieu de la route. Et c'est sympa au final parce que ça te fait un grand jardin, sauf que c'est 3 fois plus grand et il y a de la vie, quoi. Ouais. Bon, ça va pas être la folie hein, parce qu'on est à côté des poubelles là. D'ailleurs, je pense que je vais les bouger parce que c'est horrible, ça bousille mon fond, t'es. En fait, j'ai du mal à savoir si elle se fait enlever ou si elle se fait violer ou c'est hardcore hein, mais t'entendrais les cris là, tu dois pas bien entendre avec ce, enfin parce que c'est trop loin tu vois, mais non tu vas pas entendre. Il y a une fille qui hurle là en mode salut je vais te sauver tu sais, bon comment tu vas. Aujourd'hui on va faire un petit peu en mode discussion parce que enfin j'ai envie de te partager un truc mais c'est pas tu vois, c'est pas hyper comment dire, sujeté, mais c'est un petit peu important, tu sais, moi j'ai toujours eu, c'était pas un problème, mais bon, j'ai toujours eu ce côté quand j'étais petit, enfin tu sais, à l'école on nous a toujours dit que c'était bien de lire, et on a toujours dit que voilà, lire c'était important pour la grammaire et tout, et moi j'ai jamais été un grand lecteur, tu sais, j'ai toujours eu beaucoup de mal à lire des trucs, j'ai toujours eu beaucoup de mal à l'école à étudier des choses de gens différents, tu vois, pourtant moi j'ai toujours été un peu une sorte de, pas de philosophe, tu vois, mais je pense que je philosophe pas mal dans ma tête, je pense à beaucoup de choses, mais la philosophie par exemple au lycée ça a jamais été mon truc parce que on étudiait des pensées de gars différents. Et surtout parce qu'on étudiait des pensées de gars qui, enfin, vers qui j'étais pas allé moi-même, tu vois, on te les imposait. Et moi, dans mes copies, enfin, en philo, j'avais des notes catastrophiques à chaque fois parce que je disais ce que je pensais moi, en fait. je ressortais pas du tout les pensées des auteurs, tu vois, moi, Kant, Schopenhauer et Zola, je m'en tapais, tu vois, je sais même pas si Zola, c'est un philosophe, tu vois, bah, c'est pour te dire. Mais moi, je sortais ce que je pensais, tu vois, genre, large. C'était quoi les questions quelle est la relation entre le maître et l'esclave? J'en ai rien à battre de ce que pensaient les auteurs, je disais ce que je pensais, tu vois. Alors j'y allais à la one again et tout, mais je me souviens des soirées où j'avais passé vraiment 2-3 heures à écrire des sales rédactions, des sales comment ça s'appelle, dissertes. Sur des pensées que j'avais sorties comme ça en mode, tu sais, je buvais une tasse de thé et j'étais tombé sur une idée. Je me suis dit, wow, c'est l'idée du siècle et tout, il faut que je marque ça et tout, et j'ai mis ça dans mon plan. Et ouais, du coup, c'est vrai que j'ai jamais été un grand lecteur. Le seul truc que j'ai lu quand j'étais petit, c'était des mangas. Parce que j'ai toujours adoré les mangas, genre Naruto. J'ai lu beaucoup Naruto, j'ai lu un manga qui s'appelait Negima, j'ai lu un manga qui s'appelait Lovina, ma belle-mère m'avait acheté tous les exemplaires à l'époque et c'était vraiment super parce que
Enfin, je me sentais vraiment. Elle m'avait dit, et ça, j'en suis vraiment super reconnaissant. Elle m'a dit, tant que tu lis quelque chose, on s'en fout si c'est des romans ou pas, mais tant que tu lis quelque chose, moi, ça me va. Et c'est vrai que c'était génial, quoi, parce que j'ai eu beaucoup de mal à me lire, à me dire, enfin, mettre au livre. Mais il y a un truc qui a toujours, par contre, il y a toujours un truc qui était présent chez moi depuis que je suis tout petit, c'est que quand j'étais dans un domaine, quand je me mettais à fond dans un domaine, je m'y suis toujours mis à fond dans le sens où dès que j'avais un problème dans quelque chose que dans quelque chose que je pratiquais ou ouais dans par exemple il y a une grosse période j'ai eu ma période de jeux vidéo et des fois il y avait des plugins ou des hubs qui marchaient pas tu vois tu sais des hubs c'est comme des customisations que tu mets sur un jeu qui existe déjà tu vois c'est des gens qui programment des customisations pour que le viseur soit un peu différent et tout et tu peux télécharger ça et l'installer sur ton PC donc en gros tu modifies un peu le jeu. Et je passais des heures et tout, parce que mon PC, il n'y arrivait pas, tu vois, il y avait des bugs et tout, mais j'ai passé des heures à débloquer des trucs comme ça, en mode, à chercher dans tous les recoins sur Internet. J'ai toujours été un peu un débrouillard quand il s'agissait de sujets qui m'intéressaient, tu vois. Attends, je vais fermer la porte, parce qu'il y a quelqu'un qui cuisine. Et je me disais ça tout à l'heure, je me faisais cette réflexion, tu vois, que, enfin, aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que les gens cherchent leur passion et les gens cherchent à savoir, cherchent à trouver un centre d'intérêt, à absolument se caser dans quelque chose, tu vois, que ce soit la passion ou que ce soit le job bien ou quoi que ce soit. Au final, c'est qu'une question de ça, tu vois. Parce que quand ils pensent, au final, trouver sa passion et tout, c'est toujours la même chose. C'est lié au besoin de se caser dans un truc. Que ce soit un truc que t'aimes ou que t'aimes pas, tu vois, il y a des gens qui ont la chance de faire ce qu'ils aiment, d'autres qui ont moins de chance et qui font pas des trucs qu'ils aiment. Mais c'est toujours un besoin de se caser. Et aujourd'hui, si t'as pas trouvé de passion, tu vois, et que, bon, tu regardes sans doute toutes mes vidéos et je te donne pas mal de clés et tout, mais peut-être que pour toi, c'est un petit peu plus dur. Il y a un truc que je peux te conseiller, un truc dont tu peux devenir passionné dès ce soir. C'est marrant de dire ça, un truc dont tu peux passionner dès ce soir, mais pourtant, c'est vrai. C'est plus un état d'esprit, mais tu peux tout à fait te passionner pour cet état d'esprit-là. Et cet état d'esprit, c'est la curiosité. C'est le fait de vraiment s'intéresser à... Hey, c'est le fait de vraiment s'intéresser à... Quand tu t'intéresses à un domaine, d'y aller à fond. Et c'est le fait de lire des livres sur un domaine. Et c'est ça la magie du truc, c'est que t'as plus besoin de te trouver un domaine de quoi que ce soit parce que toi c'est plus le fait de plonger dedans qui te passionne tu vois c'est à quel point tu vas rentrer à quel point tu vas essayer de creuser dans le domaine et moi au final je pense que c'est une de mes plus grandes passions la curiosité depuis peu d'ailleurs parce que j'ai pas toujours été comme ça j'ai pas toujours été quelqu'un qui lisait des livres et tout mais là récemment on en discutait avec Léa tu vois je lui disais mais tu sais que Léa j'ai lu 4 livres en 2 mois, c'est un truc que j'ai jamais fait avant. Avant, c'était un nombre de livres sur un certain nombre d'années, tu vois, que je comptais. Et là, cette année, j'ai dû lire au moins 10 ou 15 bouquins, tu vois. Vraiment facile. Mais pas à chaque fois dans un domaine... pas à chaque fois dans un domaine similaire. Toujours dans des domaines, mais complètement différents, souvent. On a parlé de persuasion, on parlait des personnalités. À un moment, pendant que j'étais en road trip, j'ai lu un bouquin sur les Spartiates et leur état d'esprit. Mais le fait de te plonger dans un bouquin parce que le sujet t'intéresse, rien que ça peut tout à fait être une passion. Et quand il pense, est-ce que ça vaut pas mieux tout simplement que d'essayer de se coller à une case, tu vois, que d'essayer de se coller à un hashtag, hashtag fitness, hashtag développement personnel et tout. Mais plutôt d'être, voilà, ce qu'on appelle multitâche un peu couteau suisse, est-ce que c'est pas mieux parce que, au bout du compte, tu vois, je veux dire, encore une fois, je te parle de ça, mais au bout du compte, on va tous crever un jour. Et le but, c'est d'en avoir appris le plus. Le but, même pas d'en avoir appris le plus, mais le but, c'est d'avoir appris des choses sur des trucs qui t'intéressent, tu vois. Donc, bon, ça, c'est la théorie. Et puis après, en pratique, bien sûr, quand t'apprends des trucs qui t'intéressent, ça te sert dans la vie. Parce qu'à un moment, tu réutilises forcément les trucs que t'as lus, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Mais tu sais, ton cerveau, il enregistre. Toi, t'oublies peut-être, mais au moment où une situation se présente et qui présente un aspect opportun pour utiliser quelque chose que t'as déjà lu, mais au fond de toi, tu vois, tu vas trouver dans ta carte mémoire le truc qu'il faut faire. Si tu lis un bouquin sur la négociation, par exemple, tu sais, moi, ça a été mon grand truc, parce que je me suis vraiment retrouvé plusieurs fois comme un con à me faire complètement plumer par un gars, tu vois, qui savait négocier et pas moi.
Donc c'est un truc qui m'a beaucoup hanté, sur lequel j'ai vraiment pas mal travaillé. Mais voilà, tu vois, donc être curieux, ça demande rien. Ça demande juste, enfin avec Internet, tu peux lire, aujourd'hui tu peux lire tout ce que tu veux vraiment. Tu peux t'acheter des bouquins, tu peux t'acheter une Kindle, bon c'est quoi, c'est 150, 160 euros. Si t'as un boulot, tu vois, un boulot qui paye au SMIC, tu te mets 150 euros de côté pour ce mois-ci. Bon, je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est toujours faisable. Je veux dire, 150 euros, c'est pas grand-chose. Tu t'achètes une Kindle et hop, tu t'emportes tous tes livres avec toi. Tu vois, moi je fais ça et je m'en sépare plus, quoi. Donc ouais, enfin c'est marrant quand même. Et c'est un truc dont on parle pas souvent, mine de rien, la curiosité. On en parle beaucoup quand on est jeune et tout. Tu sais, la curiosité est un vilain défaut et tout. Ouais, ok, mais bon. Enfin, après, tu fais quoi, tu vois? Donc, ouais. C'est un truc dont on parle pas, mais qui pourtant est important parce que, enfin, ça te. C'est un truc qui peut te remplir vraiment tes journées, te faire vivre des journées passionnantes, te faire découvrir des gens passionnants et te faire ressortir, mais tellement plus grand, plutôt que d'essayer de se caser à fond dans une thématique et tout, parce que, ouais, il faut spécialiser et tout, tu vois. Moi, j'y crois pas, ça, franchement. J'y crois pas, je le vois bien, ça me colle. Tu vois, ça me va pas, quoi. Ça me colle pas à la peau, ça me convient pas. Donc moi je suis là, tu vois, je lis tous mes bouquins, je suis bien et quand un truc m'intéresse, bah j'y vais à fond, tu vois, je lis la vie de l'auteur et tout, je regarde s'il y a des interviews. Tu vois, tu fouines un peu, tu fais un petit peu la fouine, tu regardes qui c'est, comment elle a vécu ça et tout. L'autre jour, enfin le livre sur les négociations dont je te parlais, l'auteur, c'est un mec qui était à la tête du service de négociation avec les terroristes dans le FBI. Enfin, t'apprends des trucs de ouf, tu vois. Donc bon, c'est marrant quoi. Moi voilà, c'était de ça dont je voulais te parler. Je voulais aussi te demander un truc, si est-ce que tu pourrais me faire savoir, est-ce que ce serait trop de te demander de me faire savoir si tu voudrais qu'on parle un petit peu de vidéo. C'est un truc dont on n'a pas du tout parlé sur cette chaîne-là, mais pourtant, parce que j'ai tellement testé de trucs en vidéo, j'ai testé tellement de matos, enfin t'as bien vu la galère au niveau des micros que j'ai eu pour me décider un peu. Donc est-ce que la vidéo, toi, ça t'intéresse? Est-ce que t'as une chaîne YouTube? Si oui, écris-la moi dans les commentaires. Je me fais toujours, enfin ça me fait plaisir d'aller regarder ce que les gens qui me suivent font, tu vois. Est-ce que tu veux en lancer une? Est-ce que tu voudrais qu'on parle un petit peu d'expression orale? Comment faire pour se détendre devant la caméra et tout? C'est un truc qui m'intéresse. Enfin, j'essaye un petit peu de mieux te connaître, de savoir ce qui t'intéresse sur cette chaîne, pourquoi tu me suis, qu'est-ce qui te plaît et tout, tu vois. Donc dis-moi ça dans les commentaires. C'était un petit appel à l'action, tu vois, mais ce serait cool. Surtout pour si toutes ces vidéos te plaisent et tout, moi ça me donne vraiment des sujets sur lesquels me baser quand je pose des questions et que les gens me répondent, donc ce serait cool quoi. Donc voilà, t'auras vécu une journée de pluie à Adélaïde, tu vois. Mais c'est le printemps là, il faisait vachement beau aujourd'hui. Comme t'as vu, on s'est fait une petite sortie à la plage, donc tout va bien quoi, la vie est belle. Encore 2 jours de congé. Demain, normalement, on va aller dans un endroit avec des cascades. Donc tu verras sûrement ça demain, je ferai une petite séquence vlog sans doute dans le podcast de demain. On va aller boire des bières aussi le soir, donc je te mettrai tout ça quoi. Allez, moi je te laisse, je te dis à la prochaine, je vais rentrer les chaises. Porte-toi bien, à la prochaine, ciao. Je pense que les sources de motivation qui nous font peur, c'est-à-dire que les personnes ou les situations dans lesquelles on veut plus être, sont tout autant, voire plus puissantes que nos objectifs ultimes, tu vois, que les trucs positifs auxquels on veut ressembler. Dans le film là de Ido Portal, tu sais, Ido Portal, c'est le coach de Conor McGregor.